Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant que celle-ci commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Merci. Même si le PSG n'a pas su conserver Adil Aouchich et Tanguy Kouassi, partis à Saint-Etienne et au Bayern Munich, le centre de formation du club parisien est désigné premier centre de formation agréé par la Fédération Française de Football pour la saison 2019-2020. Édouard Michu. Il a 17 ans, il joue au milieu de terrain et il est en contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2023. Petit gabarit, mais attention, très bon techniquement. Ce joueur est même considéré comme le futur Marco Verratti. Avant qu'il ne signe pro avec le PSG, des gros clubs comme Manchester City ou encore le FC Barcelone le suivaient. Il est arrivé à Paris en 2016 en provenance du FC Versailles. Il s'est vite imposé en U19 grâce à sa qualité technique et sa polyvalence dans l'entrejeu. Le 5 août 2020 face à Sochaux en amical, le coach Thomas Tuchel a convoqué des jeunes joueurs afin de les lancer. À la 74e minute, le coach lance Xavi Simons et Édouard Michu pour leur première minute en Ligue 1. Édouard et lui sponsorisés par Nike. Il faut aussi savoir que Xavi Simons et Édouard Michu ont été classés dans les 60 jeunes joueurs les plus prometteurs d'un journal anglais. Xavi Simons, c'est le plus connu d'entre tous. Ce joueur qui joue à Barcelone et que le PSG a recruté en 2019. C'est sans doute le plus gros talent que possède le club parisien. Il est suivi par plus de 2,5 millions de personnes sur Instagram. À 17 ans, c'est vraiment énorme. Lui aussi est sponsorisé par Nike. On dit qu'il a le même profil que Marco Verratti. Son intelligence, sa vision du jeu, sa qualité de passe ou encore sa conservation de balles et son agressivité font de lui un joueur très doué. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le PSG lui proposerait un contrat de 5 ans. S'il est d'accord, il ne pourra le signer qu'à sa majorité, c'est-à-dire le 21 avril prochain. Caïs Ruiz a-t-il ? Lui aussi a été piqué au Barça. En choisissant de rester au PSG, il a marqué des points lui permettant de se voir du temps de jeu avec l'équipe première en Ligue 1. Il a 18 ans et son contrat se termine le 30 juin 2021. Il est milieu offensif, meneur de jeu. Lors du match amical du PSG face au Havre le 12 juillet dernier, Caïs Ruiz a fait ses premiers pas avec l'équipe première. Cette vidéo est tournée fin novembre 2020 et à ce jour, Caïs a participé à 5 matchs en Ligue 1, dont une titularisation face à Lens. Au total, environ 170 minutes jouées. Depuis septembre, le joueur est à chaque fois dans le groupe pro. Thomas Tuchel peut compter sur lui et faire tourner son effectif. Caïs, lui, est chez Adidas. On espère le voir s'imposer de plus en plus dans cette équipe première pour avoir plus de temps de jeu. Pour Xavi et Édouard, je pense que le coach fera appel à eux quand la Coupe de France arrivera et qu'il y aura beaucoup de matchs à jouer, il faudra donc faire tourner. C'était LRTV, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et à bientôt.